loin de cette histoire de jeu. Par contre, aujourd'hui, nous sommes sur Minecraft pour l'épisode 4. Là, je continue ma maison. Même s'il fait nuit. J'ai toujours mon petit skin mexicain. J'espère que vous voyez quelque chose, et au pire, si vous voyez rien, je vais assez facile. Luminosité le maximum, comme ça vous verrez des choses. Si jamais pour ma dernière vidéo, c'est-à-dire sur les tsunami, il faut c'est tout simple, je vais pas vraiment faire de tuto, faut juste faire quelque chose du genre on fait plus haut, ensuite on fait un truc, enfin avec du gravier c'est pas très facile, mais imaginons que ça fasse un truc comme ça. Donc ensuite vous faites, vous devez avoir single player command infinite liquide, vous faites slash slash replace et puis vous remplacez le gravier par 126, c'est pour l'eau, donc ça fera des vagues, et puis 127 ce sera pour la lave. Oui, j'avais pas vraiment envie de faire de tuto, bon ça va pas être forcément intéressant de nuit Minecraft, mais bon. Oups, un petit bruit. Et je vais tout éteindre. Attendez, c'est bon. Bon, je vais commencer la phase. C'est un jour? Non. Je vais déjà mettre une porte. Et commencer un tout petit peu de creuser, et par la même occasion, enfin de couper des arbres, par la même occasion, bon, je vais faire une épée pour me défendre. Je suis chez moi là, enfin, ouais. Enfin dans le jeu. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Une épée, voilà. Voilà. Et c'est la chasse au cochon. Enfin, aux animaux. Qu'est-ce qu'il y a comme animal là? Quelques cochons. Lui, il est emprisonné. C'est bon, j'ai sa viande. Et lui, il est mort. Oh, je galère. Ça va être facile de voir ma maison, en tout cas. Là, je suis en train de vous faire un petit escalier pour voir s'il y a des choses intéressantes dedans, mais je pense pas. Bon, j'ai récolté assez de comment ça s'appelle, de pierre en slime. En fait, j'aurais pu faire une épée en pierre. C'est pas vrai ici. C'est bizarre qu'il y ait des slimes.
je me demande si c'est vraiment logique qu'il y ait des slimes. Ah, je l'ai pas vu, mais... comment te faire? J'arrange tout ça vite. C'est un petit filon de fer. Comme je suis... Je vais économiser mes torches au maximum. Ça me paraît quand même assez bizarre qu'il y ait des slimes. D'abord, je vais faire cuire. Ah bah non, j'ai pas assez. Je vais faire cuire mon fer. Et comme je sais que j'ai pas de lit, je peux pas dormir et tout un jour, ça sert à rien de dormir parce que le front ne cuit pas qu'on dort. Pour l'instant, le lingot, je vais le laisser, enfin, je vais le préserver. Ah oui, je me fais une épée en fer. En pierre. Oui, je confonds. Mais je sais pas vraiment à quoi ça va me servir. Les boules de slime. En tout cas, c'est bien. C'est bien installé où je suis. C'est dommage qu'il n'y ait pas de village tout près. Oh purée. Faut aller pas que je le regarde. Désolé, ça me fait peur. Où est-ce qu'il est? Je regarde du sol, je le regarde pas. C'est l'Enderman. On pourrait croire, on dirait que c'est le Slender. D'ailleurs, ce jeu, je vais jamais jouer parce que, ouais, peut-être qu'un jour, on sait jamais en fait. C'est bon. Ah, j'ai mis mes petites cuites déjà. Bon, je vais manger un peu. C'est bon. Je vais mettre dedans. Mon lingot aussi. Et c'est toujours la nuit. Est-ce que j'ai le courage de sortir? Non. Ne courons pas de risque tout de suite. Mais par contre, pour replanter ça... Est-ce que l'Enderman me suit? Coucou. Est-ce que je le fais entrer? C'est bon. Faudra bien que je la récupère, la flèche. Bon, c'est le jour. Allez, tu ne me fais pas peur, le Slender, ouais, parce que Slender, c'est quelque chose d'autre. Ce serait bête de tomber. Ah bah mince. Je suis tombé. Oh, j'ai pas vu ça. Il faut récupérer tout le charbon. Oh mince. Ah oui, si jamais, j'ai pas précisé, mais pour le mode finite liquide, il faut single player commande. Et puis vous le trouverez sur Pipix. Bon, je pense que on va bientôt se quitter.
appris qu'il y avait du verre. Ou c'est un bon filon de charbon ici, là. J'ai dit quelque chose qui ne voulait rien dire ici et là. Mais... juste une question. Est-ce que vous connaissez Clasher de Minecraft? Si vous connaissez, allez voir une de ses vidéos. Tapez sur la barre Clasher de Minecraft. Franchement, il parle pas. Il fait des vidéos. Ensuite, il dit qu'il a clashé des gens, quoi. En fait, c'est écrit. C'est tout écrit. Quoi. Ensuite, il y a aussi Clasher Insulte. Le Clasher de Minecraft, il a insulté Pierre, Aznet et puis Harry Lafont. Donc. Ensuite, il prétend avoir. Pour le clash de Harry Lafont, il prétend avoir démonté Aznet. Pierre. Ouais, je confonds. Ou bien il dit que Aznet ne parle pas parce que. Mais alors que Aznet parle bien dans ses vidéos. Ou bien Clasher insulte, il fait de la pub pour Clasher de Minecraft. Mais Clasher de Minecraft refuse, ne veut pas de Clasher insulte. C'est vraiment n'importe quoi, les petits trucs de Clash en fait. Bon, je tue ce port, je rentre chez moi et puis je vais. Et si je vois un mouton, non, il n'y a rien. Bon, un slime encore. Attention, les slimes. Bref, quoi, dès que je rentre, je vais se quitter là-bas. Bon, si cette vidéo vous a plu, pensez à partager, à liker, à aimer, enfin, c'est la même chose, à mettre à vos favoris et à commenter. Et aussi, la vidéo sur le tsunami, il y avait qu'à la fin, il y avait le truc de Diablo, mais qu'une vidéo parce que j'avais pas l'autre vidéo. Maintenant, il y en aura deux. Bon, si vous avez pas vu, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.